Pour une milliardaire que tu es, mon Dieu, tu as eu le temps d'observer les habillements des enfants de Natacha, hein? Oh là là! Eh ben, dis donc. Moi, je croyais que le clash chez les Mojang, c'était plutôt cool, mais le clash chez les Mojang, c'est pas si cool que ça, hein? On tire aussi à balles réelles ici, hein? Mais ce... Comme les enfants qui vont à un mariage. Ah! T'as la mariage. Tu as vu comment tes enfants étaient habillés à ton mariage? Hey. Même les petits ensembles vestes. Oui. De 60 euros. Mm-hmm. Tes enfants étaient habillés comme si on est parti les ramasser à la crèche que... Oh, il y a quelque chose. Venez assister. Tes enfants n'étaient pas habillés. Natacha avait dit qu'il y a un de ses enfants là qui aimait bien ce... Comment il a même... Il aimait bien son survêtement jogging, hein? Il y a un de ses enfants là, elle était avec le bébé dans la voiture. Je ne sais pas si c'est Ferrari ou Bentley, mais un des enfants avait dit qu'il aimait bien, il aimait bien son jogging. Donc elle a mis à l'enfant ce que les enfants aiment en fait. Voilà, Natacha dit que ses enfants n'aiment pas les vestes. Voilà, tu sais, les enfants on met ce qu'ils aiment, hein. Donc elle a mis ce que les enfants aiment. Comme les enfants qui vont à un mariage. Ha. Oh, yo. Nous on a vu, hein. J'ai dit que, donc Natacha, dans vos clashs aussi du côté de Mojang aussi, vous tirez à balles réelles, hein. Hey, mais personne n'est simple dans le clash ici, hein, maman. Ah bah! Bien dit aux gens ici qui a fleuri ton mariage. Mais deux, dans bien vos clashs... Bien dit qu'on a dépensé rien que les fleurs, uh-huh. Organisait déjà le mariage. Mm-hmm. Chouchou, tu as des gens ici qui aiment souvent parler du mariage, hein. La femme qui a fait les compositions du mariage, c'était où? Hey, yeah. Elle travaille son atelier où? Oh. À Saint-Herblain. Hey. Tu as douillé, hein? Ah oui, mais toi, sont tous qui a payé le logement de tes invités qui venaient de mon côté? Nous. Tu as payé tous les hôtels. Merde! Les clashs, on interroge les maris. Qui a payé le logement des invités? Ah, Malène a débloqué. Malène a débloqué un autre niveau. Merde! Natacha dit que quoi? J'ai demandé à ma milliardaire de me montrer son compte débiteur. Hey, maman! Maman, les soeurs milliardaires, si vont te clasher d'où, hein? Entre la multimilliardaire, je rappelle, hein, que ça, c'est le clash des milliards. Entre la multimilliardaire, Patience Mvoutou, Malène Mvoutou, contre la multimilliardaire rentière monégasque Natacha de Monaco. Mais bon, en fait, c'est deux soeurs qui font un clash bon enfant. Voilà, il y a pas de haine, il y a pas les, on va tuer l'autre ou quoi que ce soit. Il fallait Facebook pour donner la possibilité aux femmes comme Natacha de parler à Malène. Elle parle pas à Malène, pourquoi? C'est sa sœur, non? Julie, toi, tu crois aussi à ça? Natacha, tu as oublié que Natacha est la sœur de Malène. Toi, tu as vu que leur clash là, il y a la haine dedans comme les autres clashs. J'ai pas fait les ajustements à Paris. Uh-huh. Rien que les ajustements de la robe à Paris, en atelier, voilà le blanc. Voilà le blanc. Hey. Et on parle de la... Voilà le blanc, voilà le blanc. Haïa, Gaëtan. Gaëtan est chaud, hein, pour répondre aux questions. Hey, Gaëtan. Massa. Paris. Rien que les ajustements de la robe à Paris, en atelier, voilà le blanc. Voilà le blanc. Voilà le blanc. Uh-huh. Et on parle de la Rolls-Royce de 1962. Gaëtan ne se laisse pas faire. Merde, Gaëtan est devenu clasheur. Gaëtan fait le perroquet dans le direct de sa femme. Massa. Maman, on débloque les niveaux. Yish. Adam, on peut débloquer les niveaux comme ça. Son direct était aujourd'hui. Non, son direct était il y a 3 jours. Mais comme mes pages sont bloquées, je me suis dit que je vais un peu écouter ce qu'elle avait raconté. Massa. J'ai dit que Natacha, ta Mojang ici la débloque les niveaux juste à ce que Gaëtan parle. Bientôt Gaëtan va te clasher, hein. Voilà ce qu'on a dit, le blanc. Uh-huh. Vous êtes venu dire que mon blanc, c'est un souffleteux. Hey, yeah. Rien que les essayages. Oui. Le créateur à Paris. Hey. C'est vous qui avez dit que Gaëtan est un souffleteux. Mais vous êtes tombé par où pour dire que Gaëtan est souffleteux. Ah, mon fumide, Gaëtan, vas-y, parle. Ouvre ton gosier, Gaëtan. Vas-y, développe ce que tu as fait pour ta femme. Merde. Tu es un souffleteux depuis quand? Vas-y, Gaëtan, développe, dis donc. Yesh. Mais tu parles de quoi? On a vu même tes enfants. Page, il est ceci, alors que... Tu parles même de quoi? Ah. Il ne sait pas que je suis en direct. Il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Il est. Mais lui-même, quand j'ai voulu me marier, oui. Tellement je suis tombée enceinte pendant que j'organisais mon mariage, je lui ai dit, je fais d'abord un petit truc, oui. Et après l'accouchement, je vais faire un grand mariage. Il a dit non. Oui, oui, oui. Lui, dans leur famille, leur mariage, c'est des grands mariages. Oh, wow. C'est parce que tu as dit le blanc.
Le blanc. Je voulais un petit mariage. Alors. Parce que je voyais ce que ça coûtait cher. Alors. Je voulais un petit mariage. Je voulais un petit mariage même de 10 000 euros. Wouh wouh. Je voulais un petit mariage. Pour le et le blanc te dit que s'il a dépensé au moins, c'est 40 000 euros. Ha ya! Voilà Gaëtan qui parle. Hein. Gaëtan dit que oui, nous on a dépensé le triple, même le quadruple, 40 000 euros. Hey yeah! Oh oh! Wombo, Natacha, oh, maman, Natacha, ta mot ancien. Mais de les milliards pleuvent, maman, oh. Tu dis qu'il a dépensé, ça, il a dépensé sans compter, parce qu'il a dit que dans leur famille, oui. Les mariages, c'est les grands mariages. Vraiment. Moi, je ne voulais pas, parce que, un, je n'ai pas les copines, je n'ai pas les relations. Oui. Je voulais inviter qui? Il a dit, non, tu invites toute ta famille. Oh, le blanc, oh. Oh, le blanc, oh. Donc, moi, je vous dis, quand je dis le blanc, c'est pas pour vous heurter. C'est une façon non, non, de parler ici sur les réseaux. Non, 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 heurte pas. Mon blanc. C'est une façon pour moi de me moquer de lui, en fait. Le nombre d'invités qu'on avait. Massa. Le traiteur qu'on a déplacé. Hey. Le blanc qui est venu faire le traiteur de mon mariage. C'est la référence. C'est un blanc qui a fait le traiteur de son mariage. C'est la référence. Massa. On souffre avec les blancs. Yesh. Parce que c'était un traiteur. C'était pas le genre comme les Africains font souvent les buffets, là. Hey. C'était un traiteur. Mon mariage. Ton mariage. C'était le mariage des blancs. Hey! Voilà le blanc qui vous dit qu'il y avait deux traiteurs à son mariage. Elle dit que son mariage, c'était le mariage des blancs. Et puis Gaëtan dit qu'il y avait deux traiteurs à son mariage. Bravo le blanc Gaëtan. Hé, hé, hé. Oh, les blancs, oh. Les blancs sur nous maintenant. Mon mariage. Oui. C'était le mariage des blancs. Oh, wow. Voilà le blanc qui vous dit qu'il y avait deux traiteurs à son mariage. Oui, effectivement, il y avait le traiteur du vin d'honneur. Mm-hmm. Le traiteur qui était du vin d'honneur et celui du mariage de la salle principale. Voilà, vous entendez, le blanc lui... Applaudissez très fort pour Gaëtan. Gaëtan lui-même vient citer le nombre de traiteurs qu'il y avait. Il dit qu'il y avait un traiteur pour la salle d'honneur, pour le vin d'honneur, et un traiteur pour la... Gaëtan a fini avec nous. Adama, Gaëtan peut venir intervenir comme ça là, maman. Mince. Il y avait deux traiteurs à son mariage. Oui, effectivement, il y avait le traiteur du vin d'honneur. Oui. Le traiteur qui était du vin d'honneur. Oui. Celui du mariage de la salle principale. Bravo. Attendez, le blanc lui-même dit qu'il a payé deux traiteurs. Hey, le blanc dit qu'il a payé deux traiteurs. le mari de Natacha est multimilliardaire. Yesh. Comment vous pouvez dire que le Gaëtan est un souffre-assiette ou bien un lave-assiette ou un souffreteux? Oh non, moi il n'aime pas ça. Hein. Moi il n'aime pas ça. Et toujours comme ça que vous faites, vous descendez les blancs milliardaires des gens. Moi il n'aime pas ça. Toujours toi Natacha là, te voilà maintenant au lieu de dire que le mari de ta maudite malaine vous est milliardaire, on quitte dessus. Voilà maintenant qu'il est dans les directs, il est en train de se justifier. Oh, moi, il n'aime pas ça, Natacha. Moi, il te dit ça, la vérité. Moi, il n'aime pas ça. Toi, seul, là, tu crois que c'est seulement ton mari qui est milliardaire, alors que Gaëtan aussi est milliardaire. Tu dis que tu n'as jamais critiqué son... Bon, dis alors que Gaëtan est milliardaire, alors. Dis aussi que Gaëtan est milliardaire. Comment se fait-il que ton mari est milliardaire seul et puis Gaëtan n'est pas milliardaire? Voilà maintenant Gaëtan qui est en train d'expliquer ses milliards. Qu'il a dépensé à son mariage. Malin de Natacha doit me croire. Laisse les soeurs. Au moins le côté ici, là, on parlait de milliards. Mieux, je préfère le côté où on parlait de milliards, pardon. On est tranquille ici, là. Hein? Mm-hmm. Mais j'ai vu tes enfants. Ok. Le jour de ton mariage, même ta mère n'était pas à ton mariage. Donc le blanc, là, t'a épousé parce que, en France, oui. Si il t'accompagne comme ça, tu fais la pute et il est ton mari, on ne peut pas dire qu'il est ton proxénète. C'est pour éviter la prison. Wombo! Parce que tu as fini de marier. Uh-huh. Même aller à une lune de miel. Moi, je n'ai pas fait la lune de miel parce que j'étais à terme. Je ne pouvais pas prendre l'avion. Uh-huh. Lune de miel parce que j'étais à terme. Aucun avion n'allait accepter me transporter. Oui. Mais toi, tu n'étais pas enceinte. Toi, la milliardaire. Hey! Tu t'es mariée. Uh-huh. 5 jours plus tard, tu étais au taclage. Dans un hôtel en train de faire la pute. Hey! Tu l'as vu en train de tacler 5 jours après son mariage en train de faire la pute. Ya, yeah, Marlène! On peut clasher sa petite soeur, sa Mojang comme ça, là. Yay! Elle était au Cameroun. Et Natacha avait toujours dit que quand elle va se marier, plutôt que de dépenser l'argent dans les lunes de miel, ça c'est vrai, je me rappelle, Natacha avait dit qu'elle devait partir au Cameroun. Natacha avait dit ça, qu'elle devait partir au Cameroun, Marlène. Ça c'est vrai, elle avait dit ça. Et moi j'ai épousé un pauvre blanc. Hey! J'ai raté ma vie. Hey! Et toi tu as réussi. Hey! J'ai dit, qu'est-ce que Natacha a bien pu dire à Marlène pour que Marlène se justifie comme ça là? Ou bien Natacha a dit que son blanc est pauvre? Moi, je sais pas. Hein?
Mais Natacha dit qu'elle n'a jamais parlé de son mari. Elle a juste dit à Marlène de déposer son compte bancaire ou quelque chose comme ça. Elle n'a jamais parlé de son mari. Ha! Maman, les réponses sont violentes, hein. Facebook, si personne n'est facile, hein. Voilà, nous deux, nous sommes à la maison. Oui, vous êtes à la maison. On est là à la maison. Je suis devant mon direct. Hey, mari et femme. Oh, nous wow. Sommes là. Oui. On profite. Oui. Après deux semaines de vacances. Alors. Bientôt, ça termine. On est là. Alors. Hey, Et toi, tu dis que mon mari, c'est un marmiton. J'ai raté ma vie. Je pouvais réussir. La question. Chouchou, sur nous maintenant. Il y a un fils sur Facebook qui dit que ton père, c'était un enseignant. Hey. Qui va croire aux choses d'Angoula? Tu attends. Je n'ai pas parlé. Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Tu entends? La vérité dans le pétrole. Tu entends? Je n'ai pas parlé. Donc, Gaëtan, le papa de Gaëtan était dans le pétrole. Angoula, c'est pour toi, hein? Toi qui tu mettre ta bouche dans le mariage de Marlène. Voilà son père qui était dans le pétrole, hein? C'est Gaëtan lui-même qui parle. Le blanc ne manque jamais, hein? Je te préviens déjà. Le clash des milliardaires de Meta. Maman, au riche, bête à le clash des milliardaires, maman. Au moins, c'est calme. Le clash des milliardaires. Le blanc ne ment pas, hein. Donc, il vient de dire que son père était dans le pétrole. On continue. Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Oui. Tu as entendu? Son père était dans le pétrole avant. Tu as entendu? Eh wow. Parle le blanc. Je vais insulter les gens ici. Elle dit que pas alors le blanc, je vais insulter les gens ici là. Oh wow, Marlène a débloqué un nouveau niveau de clash chez vous, maman. Jusqu'à Gaëtan. Gaëtan vient répondre aux questions. Merde. Je dis, on va s'en sortir. Entendu. Oui, on a entendu, maman. Vous avez entendu. Oui, on a entendu. Donc tu dis que vous, tu me dis que pourquoi j'ai envie de faire passer le père de mon mari comme quelqu'un qui avait des moyens alors que c'était un pauvre. Donc c'est au moins ici là de ce côté là c'est les milliards. On parle des milliards, pardon, ça me détend. Tu sais que moi je suis milliardaire, Brakata. Donc quand je vois les vrais milliardaires, quand je fais les clashs, j'écoute les clashs des vrais milliardaires, ça me fait plaisir. Puisque moi je suis encore au stade de milliardaire, Brakata. Milliardaire en carton, milliardaire au Monopoly. Donc ça me permet de regarder mes milliards au Monopoly comme ça là, ça me fait du bien. Donc, on continue. Maître d'école, tout ça. Vous inventez ma vie et je dois rester toujours, je croise les bras. Vous inversez les rôles. Ma chérie, ne croise pas les bras, oh, maman. Justifie-toi. Oh. Justifie-toi même avec Gaëtan. Il faut vous justifier, ma. Vous inversez les rôles. Voilà. J'ai le grimba. Hey. Le petit. Hey. Le vrai. Parce que pour entrer dans la famille, je suis entré là. Oui. Pour avoir le ventre. Oukoulou. Tous les blancs étaient là. Mais Marlène, quand tu dis que tu as le grimba, tu as le vrai grimba. Après, les gens vont commencer à t'écrire inbox que Marlène, trouve-nous les maris aussi. Donne-nous le même grimba. Nous aussi, on veut le blanc. Ta grand-mère était là. Tes grands. Église mairie. Le blanc était en bel outil. Hey. Le blanc était en bel outil. Mince ça. Vous inversez les rôles. Belle outil sur nous maintenant. Vous inversez toute la saleté qui est dans vos vies. Vous avez décidé que c'est sur moi que vous voulez mettre ça. Jusqu'à dire que je pars m'aligner au secours populaire pour manger. Hey. Je fais ceci. Qui a osé dire ça? Voyez, machin, le blanc m'a chassé. Hey, qui a osé dire ça? Des choses. Je me comportais, non. Jusqu'à Angoula a dit. Angoula, c'est quelqu'un. Elle a même téléphoné. C'est ça qu'il vient de dire. Elle a la cuisine. C'est lui-même qui fait sa nourriture. Alors? Il a déjà fait sa nourriture. Alors, bravo. Depuis que j'ai fait le direct pour dire à une certaine personne là que vous cuisinez pour garder vos maris, mais nos blancs cuisinent pour nous garder. Massa. Marlène dit que son blanc est en train de faire à manger. C'est bien ça, Marlène. Nos blancs cuisinent pour nous maintenir dans le mariage. C'est bien ça. Il jusqu'à dit que je peux même l'appeler. Pour qu'ils vous disent combien je vais gagner si jamais il meurt là maintenant. Ok. Je peux l'appeler, bien vous dire. Mais. Parce que les blancs, là, ils ne cachent rien. Jusqu'à ça, jusqu'à donner le montant de l'assurance vie que tu vas toucher si il meurt. Hey! Marlène, si tu dis le montant là et quelqu'un vient appuyer son coup alors.
Ha, on va pas dire que tu t'es organisé avec la personne. Hey, Facebook, oh, oh ma bindo. Jika Mbindo a inventé sa part sur moi, comment je suis en instant de divorce et que les biens immobiliers sont tous à mon mari et que j'ai fait 100 000 euros à mon mari. Donc, c'est pareil. Donc, Gaëtan est étonné de tout ce qu'on raconte sur, tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, sur les gens. C'est pareil, hein, Gaëtan. Il ne faut pas être étonné, hein. C'est ce qu'il raconte. Ça parce que... Et il raconte comme ça pour demander les étoiles, hein. Orisha, tu vois alors que même Gaëtan, avec tout ce qu'on a raconté sur Malène, lui-même Gaëtan est étonné. Il dit que, mais vous écrivez des scénarios. Gaëtan lui-même est étonné. Il se dit que, mais Iwanda que mince, c'est comment non? On ne va pas dire que je suis sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Vous avez tellement sali ma vie. Ah, vraiment? Moi, Jikam Bindo a essayé de se mettre sali. Je dis que pour entrer où je suis entré là, c'est les vrais blancs. C'est l'Hongrie. Quand tu entends un blanc qui se marie à l'église catholique, c'est les familles catholiques. Chouchou, c'est ta mère qui organise des enterrements à l'église, qui fait les choses des enterrements à l'église, non? Non, c'est ma grand-mère. Sa grand-mère a le poste à l'église. Point. Massa, on verse toute la famille. Elle dit que la grand-mère de Chouchou sur nous maintenant. Hé, 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 hé. Malène a débloqué un nouveau niveau, maman. Dans les familles cathos, eux, ils sont dans la... C'est l'extrême droite. Uh-huh. C'est les Marine Le Pen, là où je suis entrée. Ta mère m'a dit que vous disiez qu'elle votre Marine Le Pen. Non. C'est là-bas que je suis. Quelqu'un s'élève, il veut ses étoiles. Il va raconter que j'ai eu le mari de j'ai eu le mari de Grosny au téléphone. En fait, elle a naissance de divorce. Hein, elle m'a escroqué. Elle m'a escroqué 100 000 euros. Vraiment, c'est bien immobilier. Là, ils se sont passés bien. Chacun raconte sa part. C'est sur mon canapé. Mm-hmm. Toute la journée. Même préparé. Non. Pas lui-même fait sa nourriture. Alors. J'ai pas la pression. Non, j'ai la pression. Il vient préparer, il vient servir, je mange. Alors. Est-ce que j'ai la pression? Zéro pression. J'ai le vrai, ce qu'on est avec. Alors? Pour moi, là, même quand j'ai sur le marabout, dit que, bon, tu ne me montres pas comment toi aussi tu fais. Même le marabout, c'est que j'ai un grade. Tu comprends? Donc, même le marabout, c'est qu'elle a un grade. Malène, vraiment, tu nous as gagné dans les clashs, pardon. Un peu. Dans vos vies, là. Oui. Vous. Vraiment. Je suis entré là où les gens votent Marine Le Pen. Ok. Je suis entré là-bas avec mon tas d'enfants. Uh-huh. Avec mon passé que vous-même connaissez la question de prison, oh, oui. Ceci a fait. Je suis entré là-bas. Uh-huh. Et les Blancs ont dit que. Oui. Jusqu'à l'église. C'est tout. Oui. Et ça ne chauffe pas. On dit qu'on paye tout à tes invités, hôtels, transports. Oui. Jusqu'à l'église. Le meilleur traiteur, le meilleur fleuri, le meilleur machin. L'église, c'est l'église même qui avait fleuri. Donc là-bas, on a quand même donné l'argent. Voilà. Ton Grimba est fort, hein. Et les Blancs n'aiment pas le mariage que tu les filmes, que toi tu mets sur Internet, hein. Uh-huh. C'est pour ça que vous n'avez pas vu les photos. Trop de photos. Tous les gens de ta famille qui ont pris toutes les photos, les vidéos, alors qu'on avait dit d'y aller mollo. Uh-huh. Ils ont été partager ça avec les journalistes, tout ça. C'est même paru, il y a même eu une vidéo sur YouTube. Oui. De notre mariage. On n'a jamais donné notre consentement pour cette vidéo. Et du coup, ma propre famille qui a eu vent de ça a vu la vidéo. Et j'ai plein eu d'appels pour dire supprime la vidéo, alors que même... Non, on n'avait pas le pouvoir de supprimer. Mais ma propre ma fille... La propre famille de Gaëtan ne voulait aucune photo. Hey! Aucune photo. Pas aucune photo. Ils voulaient des photos de professionnels, c'est-à-dire qu'on enlève les gens, c'est Gaëtan et moi, des choses bien calibrées. Mais surtout qu'ils ne voulaient pas se retrouver sur... Ils ne voulaient pas se retrouver sur Internet. Ah bon? Et j'avais bien écrit ça sur les pieds. Mais quand tu es déjà marié, tu es en train de... Tu ne peux pas arrêter les gens. Tous ceux qui ont eu mon billet savaient que c'était écrit interdit de filmer. Oh wow! Parce que les gens qui ont n'aiment pas les réseaux sociaux. Hmm. C'est pour ça que quand ma tante, la petite soeur de ma mère, mm-hmm. qui danse avec ma mère dans la vidéo, oui. a pris les photos de Gaëtan, mm-hmm. elle a mis sur son site internet en faisant croire que c'est grâce à son association que j'ai eu le mari. Oui. Gaëtan a menacé de porter plainte parce que la mère de Gaëtan était dans tous ses états. Hey. Que c'est inacceptable. Vraiment. Qu'on mette son fils dans les sites. Hey. Gaëtan ne m'a pas rencontré dans les sites. C'est un enfant de famille. Il vient de vous dire. Avant. Donc Gaëtan, c'est un enfant de famille. Il ne l'a pas rencontré dans les sites. Maman. Ou les enfants de... Alors. Oui, elle n'a pas épousé pour si. Alors. Oui, mais si ce n'était pas ça, il vous montre Rora. Mm-hmm. Mais comme les Blancs, là, il faut que j'entre dans leur tête pour dire que oui, je respecte, voilà, je protège l'intimité. C'est pour ça que je vous fais seulement les vidéos comme ça. C'est que j'allais vous montrer. Mm. Mais le Blanc, s'il voit sa maison sur Internet, c'est le divorce. Hey. Il n'aime pas.
Oui. Tu peux filmer quand c'est chez toi. Mais chez Oui. lui, il ne met pas ça sur les réseaux sociaux. Ah, ok. Je vous ai dit que j'ai eu des problèmes avec toute ma belle famille. J'ai pas. Ça, c'est une vraie femme de blanc. Pas de maison sur les réseaux. On ne filme rien. Allez, que ce n'est pas à cause de moi que les photos sont sur Internet. Ils se sont fâchés. Parce Ah, que c'était bon, bien écrit sur mon billet. pas de photos. Donc, moi, je vous parle. Dites que comme je vous filme le cas. Son mariage était écrit pas de photos. Mais les Camerounais sont arrivés dans ce mariage et faire les photos, jusqu'à mettre les photos partout, partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, partout sur les sites Internet. C'est parce que je n'ai pas le choix. Oui. Moi, j'aime le bluff. C'est que j'allais bien vous montrer. Mais les blancs, si tu veux entrer dans leur modèle, il faut faire un genre. Les blancs n'aiment pas qu'on montre leur maison sur Internet. C'est tout. Tu peux monter ton bureau, tu peux montrer ce que tu veux, mais t'as sa maison, non? Voilà. Le mettre n'importe comment sur les réseaux sociaux, sa mère va m'appeler. Je ne peux pas le filmer n'importe comment. C'est des gens de famille, c'est des grandes familles. Oh, wow. C'est des gens, Marine Le Pen. Oh, les grandes familles, si nous maintenant. Oui, moi, ta mère m'avait dit qu'elle vote Marine Le Pen. Et moi-même, je lui avais dit que moi-même, je vote Marine Le Pen. Donc, elle dit que moi, Wario, ça a filmé le mariage de Natacha et que ce n'était pas beau parce que Natacha n'avait pas. Oh, les clashs. Qui avait rien. Qui avait rien. Tu n'avais rien. Hey! Le mariage de quelqu'un. Oui. Qui peut prétendre être milliardaire. Même pas milliardaire, millionnaire en France, c'est pas. Oh, le milliard sur nous maintenant, nous. Parce que moi, sans le blanc, je suis millionnaire. Oh, wow. 1500 euros, c'est 1 million. Oui. Tu n'avais pas. En France, c'est pas. Je fréquente ces milieux-là. Je connais les, je connais ceux qui ont. Hey. Et c'est pour ça que je te vois pas. Je dis, la seule chose à faire, si tu veux le cash, pose seulement tes cartes. Je vais confirmer. Il dit que les deux mots d'Anse ont même commencé comment pour arriver dans les clashs, les comparaisons des mariages, les comparaisons des milliards. Maman. Donc, pour ceux qui sont en train de me suivre, je rappelle que c'est le clash entre la multimilliardaire Marlène Mvoutou contre la multimilliardaire rentière monégasque Natacha de Monaco. C'est un clash soft entre deux mots d'Anse. Et puis, ça se passe... voilà, de façon cool et soft, sans, comment dirais-je? Coucou Marie-Hélène. Dans la vie, c'est comme tu viens qu'on te prend. Ah bon, je suis pas venu comme un papier. Je suis venu. Donc vous n'allez rien dire. Non, il n'y a rien à dire. Sur Internet, qui va faire en sorte que. Le blanc découvre que non. Non, le blanc sait tout. Non, le blanc sait et tout. Et il sait que je ne mens pas sur lui. Jamais. Eich. Vous avez dit ici que vous êtes un étudiant. Vous avez fait quoi? Oui, il fait quoi? Il ne fait pas quoi? J'ai encaissé pendant des années. Je ne voulais pas répondre. Parce que je sais que un membre de sa famille peut tomber sur mon direct où je vante trop. Que, oh, ils sont comme ça, ils vont comme ça. Non, ne le vante pas. Je vous avais dit, elle est intéressée. Non, je ne parle pas de ça. Non, ne le vante pas, parle maman. De moi et de mes problèmes politiques. Oh, wow. Donc, contentez-vous de ça. Montre ta maison, montre ceci, montre, je ne montre pas. Ne montre si pas. Je suis chez moi, je montre. Mais si je ne suis pas chez moi, je ne montre pas. Ne montre pas, maman. Vous allez souffrir. On va se montrer. Je vais décorer là où je pourrais vous montrer tout le temps. Je vais vous montrer. Dans les amis. Oui. On a déjà trop fait le Japon. Vous attendez comment, monsieur Joly coupe les oignons, non? Non, il doit couper les oignons. Chouchou, c'est nous maintenant. Chouchou. Chouchou. Il est en train de couper les oignons, il va cuisiner. Chouchou, c'est nous maintenant. Il vient me donner, je mange. Tu as déjà fait quoi? Je ne peux pas manger. Tu ne peux pas manger. Tu fais quoi? Je me fais un petit des bases bolognaises végétariennes. Ah ouais? Okay. Alors. Tu viens aussi me donner. Alors, c'est tout. Ça ne chauffe pas. Donc, ah non. Ça, ma vie, ce n'est pas ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cherché le blanc d'aller allô, allô. Alors. Non. Chouchou, si nous maintenons vraisemblablement à la multimilliardaire monégasque Natacha de Monaco, c'était une petite soirée au calme, japaptique au calme, sans trop de haine, sans trop de voilà quoi. C'était une soirée. Patricia, tu as montré quelque chose au pavé. Erika. Depuis que j'ai dit que vous cuisinez pour retenir vos maris et que nos maris cuisinent pour nos blancs, on va parler comme elles, non? Nos blancs cuisinent pour nous retenir dans la maison, dans le mariage. Depuis que j'ai dit que mon mari fait la quiche Lorraine pour me maintenir dans le mariage. Maintenant, mon marraine aussi dit que Gaëtan cuisine aussi pour elle. Massa, on va s'en sortir.
Hey, maman, oh, les blancs sur nous maintenant. Hey, ça en sortiront. Donc, bref, c'était un petit direct comme ça, vite fait, pour faire comprendre que mes pages sont super restreintes. Mes pages sont restreintes et elles sont toutes bloquées. Donc, du coup, je ne peux pas lancer de vrais directs sur mon autre compte. Mes comptes Facebook, j'ai deux gros comptes Facebook qui sont bloqués. Voilà, donc du coup, je ne peux pas faire grand-chose. C'était pour vous faire un petit coucou comme ça pour commencer le week-end japaptique. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!